Aïe aïe aïe, ça va faire mal. Je crois qu'ils sont pas prêts. H-E-Y. Tellement t'es horrible qu'ils pourraient me faire croire qu'en fait le monde n'est qu'une bonne blague. Pourquoi autant de morts inexplicables? Tout ce qui est faux nous procure du fantasme. Autant de mystères à élucider, autant d'un inconnu inexploré. Si la philosophie avait raison et que le buzz ne repose que sur mensonge, tu te demandes pourquoi toujours les célébrités. En même temps personne ne connaît ton voisin. Son kiff c'est que nos idées deviennent réelles. Bien sûr qu'on est attiré par l'intrigant. Et toi si t'étais président, que ferais-tu? Dévoilerais-tu tes secrets, des excuses? La vie est là, seule est la vraie question qu'on se pose. C'est bête pour la moi, y'a pas de contrôle. Zen sur les femmes, lieu on veut rester zen. La peur est le sentiment indispensable. Tout est prouvé par juste les témoignages. Le paranormal, sujet populaire. Les âmes d'anciens corps sont-elles rancunières? Est-ce nos cerveaux troués comme du gruyère? Beaucoup trop de doutes pour rester inerte. Beaucoup trop de doutes pour rester inerte. À force de forcer, on finira t'es sur rassemblement contre la zone, t'es sûr. Pourquoi mystères ont besoin d'être résolus? T'es pas bien chez toi, tu veux risquer ton cul. Il est vrai que l'univers est gigantesque. Alors pourquoi qu'une seule habitable? D'où viennent les mythes des extraterrestres? Notre vision est pourtant identifiable. Pourquoi on pense direct soucoupe volante? Pourquoi les ovnis sont toujours dans le ciel? Pourquoi les fantômes sont effrayants? Pourquoi les créatures ne sont pas belles? Est-ce que je m'apprendrai les devants sur rêve? Certains démontrent la réalité. Dinosaures n'auraient jamais existé. Le gouvernement serait un imposteur. Pourtant ce sont de vrais êtres humains sacs. Autant de théories pour 7 milliards d'êtres. Certains font le contraire et veulent en créer. Si je te dis lune artificielle, le succès rend fou certains artistes. Mentir sur sa mort pour plus les connaître. Quand même Jackson, je vais créer mon mythe. Pourquoi la plupart des faits se passent en Amérique? Mais si tout cela était lié aux médias, que des fake news et des conneries qui marchent. Plutôt probable seulement y'a des preuves. Des scènes incohérentes, des vraies personnes, des lieux surprenants, des sectes religieuses, des complotistes fous. Le deep web existe, la psychopathie est une maladie. Les certificats de décès sinistres, des légendes qui datent d'époque finie. Des fruits sont froids dans des lieux définis. Être en contact avec des esprits, des disparitions qui créent des intrigues. Certes, les fictions souvent s'en inspirent. Et si nos consciences en avaient la volonté, que toute théorie ait déjà existé, que tout prototype soit dès maintenant pisté. Alors pourquoi chercher la vérité? Alors pourquoi chercher la vérité? Oui, oui, oui. Être ou ne pas être est la dictée. Être ou ne pas être est la destinée. Être ou ne pas être à tout jamais. Être ou ne pas être résume trois lettres. Être ou ne pas être est la dictée. Être ou ne pas être est la destinée. Être ou ne pas être à tout jamais. Être ou ne pas être résume trois lettres. V-I-E-E-T-R-E-H-E-Y-G-A-S. Les aliens sont les guests.